Bon, bon, c'est un peu plus compliqué que ça normalement, mais je pense que ça, c'est une base du plan des deux moches. Mais reste encore à savoir pourquoi ils font tout ça. Merci Gilles. Donc, pour ce qui est du cardboard là, tout le monde a compris, c'est bon? Ok, alors, on va procéder ensemble à une petite expérience maintenant. Est-ce que tu peux me passer un briquet, s'il te plaît? Brûlure de pisse. Est-ce qu'on pourrait juste se concentrer un petit peu? Alors, c'est quoi leur plan exactement? Ouais, non, pardon. Non, alors, ma théorie, c'est qu'ils essayent de suriner le cinéma. Suriner comme faire ce pipi. Est-ce que tu pourrais être un peu plus explicite? Alors, je peux être plus explicite, mais ça signifie qu'il faut que tu me laisses parler d'un film. Non, c'est pas toi qui parle de film. Ici, c'est moi qui parle de film. Toi, tu m'écoutes parler de film. Putain, tu penses que c'est vraiment le moment de faire entrer ton ego dans l'équation, là, tout de suite. C'est pas une question d'ego, c'est une question d'ordre social, c'est une question de hiérarchie, attends, quoi. Attends. C'est pas lui qui présente l'émission d'habitude? Ben non. Et bien sûr que non. Mais toi, t'es Kamel? Non, moi, c'est Karim. Non, c'est moi, Kamel. D'accord. Mais c'est quoi le truc, du coup, pour vous reconnaître? Ben, les pulls. Oh. Donc, Douce Nuit, Sanglante Nuit ou Silent Night, Deadly Night en anglais est un slasher sorti le 9 novembre 1984 aux États-Unis et réalisé par Charles E. Sellier, scénariste et producteur américain ultra prolifique à la télévision et au cinéma, dont c'est le premier long métrage de fiction en tant que réalisateur. Commençons donc par le commencement, c'est quoi le slasher? Le slasher est un genre cinématographique américain, sous-genre du film d'horreur immensément populaire aux États-Unis dans les années 80, qui met en scène un groupe de personnages, souvent de jeunes adultes, pourchassés par un tueur en série, souvent masqué, qui va les éliminer les uns après les autres, souvent à l'arme blanche. C'est d'une simplicité limpide et je suis certain que vous êtes tous un jour retrouvés devant un de ces films, tant la formule a été recyclée à toutes les sauces au fil des années, au point d'imprégner de ses codes non seulement le cinéma d'horreur, mais plus globalement l'imaginaire collectif occidental, les tueurs des slashers devenant, dans les années 80, des icônes de pop culture équivalentes aux monstres du cinéma d'horreur gothique classique comme Dracula, le monstre de Frankenstein, la momie, l'homme invisible et tant d'autres. Donc le slasher est un genre qui est intimement lié aux années 80, qui correspond à son premier âge d'or. Mais pour procéder à un historique du genre, il est indispensable qu'on s'intéresse à ses origines et donc aux œuvres qui l'ont inspiré. Alors on pourrait remonter assez loin en évoquant par exemple le roman Deep Tea Negre, en 1939, qui mettait déjà en scène un groupe de personnes qui se font assassiner les uns après les autres par un tueur mystérieux qui réalise des mises en scène macabres de ses meurtres. J'en profite accessoirement pour vous recommander la très récente et très réussie mini-série adaptée du roman par la BBC pour le 125e anniversaire d'Agatha Christie. Non seulement l'adaptation est excellente, mais en plus c'est l'occasion de revoir Sam Neill dans un super rôle. Il était vraiment super dans L'Homme Bicentenaire. Je passe donc rapidement là-dessus pour arriver à la décennie qui, selon moi, a ouvert le chemin de façon limpide au slasher, les années 60. A commencer par l'année 1960, qui voit arriver deux films absolument fondamentaux. Le premier est le célébrissime Psychose d'Alfred Hitchcock, et le second est Le Voyeur ou Peeping Tom de Michael Powell. Deux monuments que je recommande massivement à tous ceux qui ne les auraient pas vus et qui ont eu un impact immense sur le monde du cinéma, inspirant des générations de cinéastes, et fournissant un nombre conséquent de codes narratifs et d'éléments esthétiques au slasher. Mais c'est pas tout, car en plus de ces deux films, les années 60 sont aussi la décennie de naissance d'un genre cinématographique qui sera décisif dans notre histoire, le giallo. J'arrête ça immédiatement, c'est très embarrassant. Alors le giallo est un genre cinématographique italien à cheval entre le thriller, l'horreur et l'érotisme. Le mot giallo, qui signifie jaune en italien, vient au départ d'une collection de romans populaires publiée par les éditions Mondadori, fondée par Arnoldo Mondadori. La collection s'appelle Il Giallo Mondadori, en référence à la couleur jaune des couvertures des romans. Alors pourquoi des couvertures jaunes? J'avoue humblement que je n'en ai aucune idée. Peut-être que c'est une référence au Mystère de la Chambre Jaune de Gaston Leroux, un grand classique de la littérature policière paru en 1907. Peut-être que l'idée est de jouer sur la dualité symbolique de la couleur jaune, qui peut au choix représenter l'opulence et la richesse, ou la trahison, l'orgueil et la jalousie, ou peut-être tout simplement que c'est une couleur qui rend facilement repérable les romans en question dans les rayons d'une librairie. Bref, j'en sais rien, mais toujours est-il que la question mérite d'être posée, tant le jaune deviendra au fil du temps une couleur étroitement liée à la fiction criminelle. C'était juste une petite parenthèse, je m'égare, revenons au genre cinématographique du giallo, qui donc s'inspire non seulement des romans de Mondadori, mais aussi d'un autre genre de film, le crimi pour criminal film, un genre allemand qui consiste à adapter les romans policiers de l'auteur britannique Edgar Wallace. C'est un genre assez peu connu, mais certains films sont plutôt rigolos à découvrir, comme La grenouille attaque Scotland Yard en 1959. Qui se cache derrière ce masque? La grenouille au masque! Est-ce le remarquable Joachim Fuchsberger? Ou encore L'énigme du serpent noir, qui offre un magnifique plan intrabucal de mangeage de carottes.
stupéfiant, et qui sort en 1963, soit l'année de naissance du giallo italien, avec La fille qui en savait trop de Mario Bava. Le genre connaît son âge d'or dans les années 70 sous l'impulsion de cinéastes ultra productifs qui ont accouché d'un très grand nombre de films aujourd'hui célébrés, comme L'oiseau au plumage de cristal, Les frissons de l'angoisse ou le somptueux Suspiria, tous les trois de Dario Argento, La longue nuit de l'exorcisme de Lucio Fulci, ou encore La baie sanglante de Mario Bava sorti en 1971, peut-être le film qui a le plus inspiré le slasher. Récapitulons. On a un auteur de roman anglais qui inspire un genre de film allemand, qui inspire un genre de film italien, qui inspire un genre de film américain. Tout ça pour dire en fait que même si le slasher paraît être typiquement américain, puisqu'on peut tout à fait le comprendre comme une illustration du phénomène des tueurs en série dans les années 70, il est en réalité construit sur de multiples influences qui viennent d'un peu partout. Bref, revenons à notre petite historique. On arrive donc en 1974 avec la sortie de Black Christmas de Bob Clark, un film d'horreur canadien cette fois, considéré par beaucoup comme le premier slasher, qui met en scène un groupe d'étudiantes sur un campus harcelé par un tueur mystérieux pendant la période de Noël. Un film plutôt intéressant qui pose les bases du genre, mais qui surtout sera une source d'inspiration majeure pour le film qui reste encore à ce jour une des plus grandes réussites de l'histoire du slasher, Halloween, de John Carpenter en 1978. Alors, Halloween est le troisième long métrage de John Carpenter après Dark Star en 1974 et surtout l'excellent Assaut en 1976, et met en scène des babysitters dans une banlieue américaine de classe moyenne qui sont attaqués par un tueur masqué. Le film est un immense succès à sa sortie, rapportant 70 millions de dollars au box-office, soit plus de 200 fois son budget initial de 300 000 dollars. Un succès qui déjà lancera la carrière de Carpenter, mais surtout donnera naissance à toute une tripotée de films qui déclineront le concept d'Halloween, surfant sur la vague de son succès, les plus célèbres étant sûrement la série des Vendredi 13 qui commence en 1981 et celle des Griffes de la Nuit en 1984. Ce qui fait quand même déjà 20 films juste entre ces deux sagas. Et des centaines d'autres au total. Du slasher en veux-tu en voilà, du slasher à midi, du slasher le soir, toutes sortes de jeunes adultes massacrés par toutes sortes de tueurs avec toutes sortes de masques et toutes sortes d'armes blanches. Une cascade d'hémoglobine, une course à l'hécatombe, des charrettes de mort, des morts renouvelants, des morts pour la Saint-Valentin, des morts pour le 1er avril, une surenchère d'effets gore grand guignolesque essayant à chaque fois de repousser les limites de ce qu'on peut montrer à l'écran pour un public qui en demande toujours plus. Et nous arrivons en 1984 avec la sortie du film qui nous intéresse aujourd'hui à un moment où un nombre encore conséquent de slashers était à l'affiche. Et la même année que Terminator, Amadeus, Il était une fois en Amérique et Aime-moi de Julien Clerc. Alors, Silent Night, Deadly Night nous raconte l'histoire du jeune Billy, un enfant hutin. Hutin ? C'est le gentilet de l'Utah. Gentilet ? Gentilet, ça désigne les habitants d'un lieu. Habitant ? Qui, accompagné de sa famille, la veille de Noël, rend visite à son grand-père catatonique dans un hôpital psychiatrique. Un grand-père qui, dès lors qu'il se retrouve seul avec Billy, se met soudainement à sortir de sa léthargie. C'est ça, la magie de Noël ! Chut ! Tais-toi ! Pourquoi tu l'appelles ? Elle peut rien pour toi, ni elle, ni personne. C'est la magie de Noël. On dirait que tu as peur, hein, Billy ? Ah, tu as raison d'avoir peur. Oh, la magie de Noël ! Quoi qu'il en soit, donc, Billy et sa famille prennent la route pour rentrer chez eux fêter Noël comme il se doit. Au même moment, un homme déguisé en Père Noël entre dans une épicerie. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? T'as quelque chose contre le Père Noël ? Ouf, ça fait marcher le commerce. Mais ça m'écoeure. Tout ça, c'est de la frime, vous voyez ce que je veux dire ? Non ? Et là, attention, surprise, le gentil Père Noël à la Tim Allen se transforme en méchant Père Noël à la Gérard Jugnot, sort un flingue, braque l'épicier, tue l'épicier, pose, osez dire du mal de Marion Cotillard maintenant, et se casse avec les 32 dollars de la caisse. 32 dollars ? Ça paye plus de faire le Père Noël. Fight for your life. Évidemment, vous vous en doutez, les deux histoires vont se croiser lorsque la famille de Billy s'arrête pour filer un coup de main à cette ordure de Père Noël tombée en panne sur le bord de la route, et que ce dernier assassine le père de Billy et égorge sa mère sous les yeux de l'enfant et de son petit frère Ricky. La magie de Noël ? Trois ans plus tard, Billy, qui a beaucoup changé, putain quand même, vit donc dans un orphelinat religieux et semble toujours souffrir des séquelles de la triste nuit qui nous a été contée. Et évidemment, son traumatisme est d'autant plus visible en période de Noël, rien de plus normal, qui pourrait lui en vouloir ? Elle. Je regrette ce que j'ai fait, mère supérieure. Je n'en crois pas un mot. Et elle lui en veut vachement, genre elle est vraiment super énervée contre le gosse quoi. Il sort de sa chambre, il se fait fouetter, il fait un cauchemar, on l'attache au lit, et comble de l'apogée du pinacle du sommet de la cruauté, on le force à s'asseoir sur les genoux du Père Noël. Ce qui signifie que personne ne lui a dit que le Père Noël n'existait pas. C'est incroyable quoi, on a l'impression que le moindre prétexte est bon pour lui en foutre plein la gueule. Va dans ta chambre. Mais j'y suis déjà. Flash forward, 10 ans plus tard, en 1984, sœur Margaret, une gentille nonne, essaie de trouver un travail à Billy dans un magasin de jouets. Et Monsieur Sims, le patron du magasin, d'abord surpris par le fait que l'orphelinat dispose visiblement d'une salle de muscu et d'un cabinet de chirurgie esthétique, accepte finalement de prendre Billy comme vendeur. Et comme on est dans les années 80, évidemment, on a droit à un montage avec une musique incroyablement catchy. I'm looking for the warm side of the door. Billy trouve vite sa place dans le magasin, Monsieur Sims lui fait des sourires sympas, il a le béguin pour Pamela qui bosse avec lui, il boit du lait avec des sosies alcooliques de Joe Pesci, il fait des Monsieur Patates habillés en Jedi, définitivement on peut conclure qu'un magasin de jouets était le meilleur endroit où mettre Billy. Sauf...
pendant la période de Noël. Là, ça devient le pire des endroits possibles pour Billy, comme en témoigne cet improbable chant contre chant. Donc, le pire des endroits, au pire des moments, comment on peut rendre ça pire? Eh ben en lui demandant de mettre un costume de Père Noël, pardi. C'est un sale truc à lui demander, parce que soit il accepte et ça risque d'aggraver ses problèmes psychiques, soit il refuse et le film s'arrête. Heureusement, les scénaristes choisissent pour lui et lui font enfiler le célèbre costume. Alors au départ, ça se passe bien, il arrive à passer la journée de Noël sans trop de soucis, et le soir même, tous les employés du magasin décident de fêter le Christmas. C'est fini! On va se faire un réveillon d'enfer! Ouais! On n'a pas de famille! Évidemment, Billy décide de garder son costume parce que l'on t'emmerde, et pendant la soirée, Joe Pesci se bourre la gueule et agresse sexuellement Pamela, ce qui déclenche chez Billy une colossale fureur qui lui fait perdre le sens des réalités et punir tous ceux qui, selon lui, ont été méchants. Est-ce que tu as été gentil? Ce qui comprend à peu près toutes les personnes qu'il va rencontrer à partir de là dans le film, dans la plus pure tradition des slashers de cette époque, après plus de 40 minutes de film. Donc pour le reste du film, on va suivre Billy commettre des meurtres à la chaîne, ce qui va nous permettre de procéder à quelque chose qu'on fait souvent devant ce genre de film, un body count, soit un bilan des personnages tués par Billy. Alors, il commence par étrangler Joe Pesci avec une guirlande de Noël. Ne pas tâcher son joli costume. Poignard de Pamela avec un cutter. Plante un marteau dans le crâne de Monsieur Sims. Tire une flèche dans le dos d'une collègue. Donc ça fait magasin de jouets et armurerie. Empale une nana sur un trophée de chasse. Un clin d'œil au célèbre cerf du Père Noël, défenestre son petit ami après un combat d'anthologie, qui aurait d'ailleurs pris une toute autre tournure si le petit ami en question avait profité de l'avantage qu'il avait pour l'achever plutôt que de passer un coup de fil face au mur en regardant le sol, décapite un adolescent qui fait de la luge sur une piste pour les nourrissons, touchous, éclate le thorax d'un flic à la hache, et finalement dirige ce qui lui reste de colère sur un pauvre bonhomme de neige qui n'avait rien demandé. En parallèle à ça, les flics se mettent à la recherche du Père Noël tueur. Ce qui n'est pas une chose aisée, parce que des gens déguisés en Père Noël à Noël, il y en a plein. À l'image du père O'Brien, par exemple, qui vient faire une surprise aux enfants de l'orphelinat et qui se fait descendre par un flic. Ah merde, pas de chance. Ouais, en même temps, il aurait pu s'arrêter quand le flic lui a demandé, quoi. Il était sourd. Oui, effectivement, pas de chance. Ce qui fait donc, si on ajoute les 3 du début, 12 morts, dont 8 tués par le tueur. Soit pile poil dans la moyenne de ce qui se faisait à l'époque. Et pendant que les cadavres s'empilent, on suit la gentille bonne sœur qui part à la recherche de Billy, accompagnée de la meilleure imitation de Columbo depuis Martin Lamotte, et réussissent in extremis à l'arrêter avant qu'il n'assassine la mère supérieure qui a causé tous ses tourments. Bref, Billy meurt devant son petit frère qui, on suppose, deviendra à son tour un tueur en série traumatisé par cette effroyable expérience. Freeze frame renfrogné, et c'est la fin de Silent Night. Deadly Night. Alors, c'était super, hein, mais en quoi est-ce que ça a un rapport avec notre histoire? Je vais y venir. Avant ça, comme il est de bon ton de le faire, je vais procéder à une petite énumération de ce qui me plaît ou me déplaît dans le film. Donc, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que je suis extrêmement fan de slasher. Pour l'anecdote, c'est un des genres avec lequel j'ai appris à aimer le cinéma quand j'étais très jeune. Je vais d'ailleurs profiter de cette occasion pour vous en recommander quelques-uns. Évidemment, les premiers Halloween, Vendredi 13 et Les Griffes de la Nuit sont des classiques. À cela, j'ajoute Jason le Mort-Vivant, qui est le 6e opus de la saga Vendredi 13, et Les Griffes du Cauchemar, le 3e de la série des Freddy. Ça, c'est juste pour les plus connus. Mais il y en a plein d'autres. Comme The Burning, par exemple, un Vendredi 13-like assez honnête, ou encore Les Tueurs de l'Éclipse, qui a la particularité de mettre en scène 3 enfants tueur, ou même l'improbable Silent Rage en 1982 qui mélange le slasher avec Chuck Norris, sûrement basé sur l'étrange croyance des années 80 que mélanger deux trucs populaires fait forcément un succès. Chose que j'ai complètement arrêté de croire après les échecs successifs de mes 3 films Ninja Cheeseburger, Jazzy Matrix et Star Wars Stardew. Bref, la liste pourrait être 100 fois plus longue, mais c'est pas vraiment mon propos. Là où je veux en venir, c'est que quand on apprécie sincèrement un genre aussi codifié que le slasher, on admet un certain nombre d'écueils inévitables dans lesquels la plupart des films tombent, souvent du fait d'un budget limité et d'un temps de production réduit. Par exemple, les acteurs sont souvent à la ramasse, et ici c'est le cas pour un certain nombre d'entre eux. Et on peut dire la même chose de l'intrigue ultra simplifiée, de certains personnages un peu cons et de plusieurs autres points fâcheux. J'essaye pas de faire comme si ça n'existait pas, mais je dis simplement que c'est pas ce que je recherche devant ce genre de film. En fait, le plaisir que je prends à regarder des slashers repose en très grande partie sur les séquences de meurtre et surtout sur tout ce qu'il y a avant, c'est-à-dire tout le processus qui mène au meurtre. Comment le tueur va-t-il réussir à piéger sa victime? Comment la victime peut s'en sortir? Quelle arme va être utilisée? Et surtout, comment le réalisateur va-t-il montrer tout ça, jouer avec l'attention, manipuler le spectateur, etc. Ce que j'aime dans le slasher est finalement très proche de ce que j'aime dans Tom et Jerry, sauf que c'est beaucoup plus violent dans Tom et Jerry. Alors, dans le cas de Silent Night, Deadly Night, est-ce que ce contrat est rempli? Eh bah... moyennement. C'est pas nul, il y a quelques idées, mais c'est assez convenu. En fait, je crois que le plus gros défaut du film, selon moi, repose sur son rythme. Dans le sens où toutes les scènes de dialogue sont d'une lenteur hallucinante. Je vous jure, il y a tellement de silence entre les phrases, même en comparaison avec des films sortis à la même époque, c'est intenable. Ouais, bien sûr, avec joie, mec. Eh bien sûr, avec joie, mec. Donc ça, c'est un gros défaut. Maintenant, la question, c'est...
Est-ce que ça a été rédhibitoire pour les spectateurs? Et pour le savoir, on va simplement regarder les chiffres. Donc, le film sort au cinéma le 9 novembre 1984, soit le même jour qu'un autre slasher, Les Griffes de la Nuit de Wes Craven, sûrement un des films les plus célèbres et célébrés du genre, et un immense succès commercial. Eh bien, je pense que je vais vous apprendre quelque chose, Silent Night, Deadly Night a rapporté plus d'argent lors de son premier week-end d'exploitation que Les Griffes de la Nuit. Et ouais, un succès assez étonnant pour un si petit film qui n'a coûté que 750 000 dollars, qui rentrera donc rapidement dans ses frais et qui aurait même pu devenir un énorme succès. Sauf que l'histoire en a décidé autrement. Et que très peu de temps après la sortie du film, ce dernier a été déprogrammé. Alors on n'est pas vraiment certain de savoir pourquoi, mais la raison avancée par l'équipe du film dans les commentaires audio est qu'au moment de la sortie du film, la société de production Tristar était en partie possédée par Coca-Cola et que ces derniers utilisaient l'image du Père Noël comme mascotte. Donc forcément, ça la foutait mal de le voir décapiter des enfants à la hache. Donc maintenant, on va mettre en parallèle le succès du film en salle et son accueil critique. Et, une fois n'est pas coutume, je vais laisser la parole à d'autres critiques de cinéma, Gene Siskel et Roger Ebert, qui, à sa sortie, animaient At The Movies, une émission de critique de films à la télé américaine. Voyons ce qu'ils en disent. And Silent Night, Deadly Night now has the distinction of joining I Spit On Your Grave as one of the two most contemptible films I've seen. And I don't mean to think it's campy, it really is quite awful. And Ira Richard Barmack produced it. You people have nothing to be proud of, even if you made a few bucks off of all the negative publicity. Your profits truly are blood money. Voilà, voilà. Mais du coup, ils ont aimé ou pas? Donc clairement, le film a choqué une partie de la critique et des spectateurs, puisque ce que disent Siskel et Ebert dans leur critique est la suite logique d'un tollé déclenché par de nombreux parents inquiets de voir leurs enfants exposés à des images sexuelles et violentes, avec pour circonstance aggravante de mettre en scène un Père Noël tueur, ce qui, évidemment, passe mal dans une société où le conservatisme faisait son retour en force. Nombreux sont ceux qui ont manifesté leur désapprobation du film à l'image de l'acteur Mickey Rooney qui dira « Comment ose-t-il? Je suis pour le premier amendement, mais ne me donnez pas le Père Noël avec un flingue qui tue des gens, les ordures qui ont fait ça devraient être jetées hors de la ville. » Une déclaration engagée et courageuse qui devient grotesque et ironique en 1991 quand le même Mickey Rooney jouera un Père Noël assassin dans Silent Night, Deadly Night 5. Mais bon, je suppose que ça compte pas parce que en fait c'était un robot. Donc, le film se traîne cette réputation d'œuvre amorale qui se fait défoncer par les critiques qui y voient un film sexiste et racoleur. Minou, minou, minou. Et on arrive donc ici à un point extrêmement intéressant que j'ai envie d'appeler le paradoxe chelou du slasher. Le reproche que Siskel et Ebert font au film, et au genre plus globalement, repose sur un de ces codes, qu'on appelle le death by sex. Ça signifie que, dans les slashers, les scènes qui montrent des personnages avoir des relations sexuelles sont suivies des meurtres des personnages en question. Ça a souvent été interprété comme un cliché réactionnaire de la part des critiques qui voit une façon d'exprimer une haine envers les jeunes et la liberté des mœurs. Les meurtres sont à voir comme des châtiments, et c'est donc, selon eux, l'expression de la révolution conservatrice contre la révolution sexuelle. I'm convinced it has something to do with the growth of the women's movement in America in the last decade. I think that these films are some sort of primordial response by some very sick people of men saying, get back in your place, women. Sauf que, et c'est là que tout devient complètement paradoxal, ce processus-là nécessite de montrer ces choses. C'est-à-dire que le public qui pourrait potentiellement être d'accord avec ce message-là, de toute façon, n'ira pas voir le film, puisqu'il y a du cul et de la violence dedans. D'ailleurs, les associations conservatrices qui ont réagi n'ont pas réagi au film, elles ont réagi aux publicités pour le film qui passait à la télé en plein après-midi. Et pour l'anecdote, le réalisateur Charles Sellier, qui était catholique pratiquant, l'a complètement désavoué, et a même donné des conférences sur la responsabilité des cinéastes à montrer ce genre de vilaines choses. Mais le truc super drôle là-dedans, c'est que pour un spectateur d'aujourd'hui, ce qui frappe devant Silent Night, Deadly Night, c'est que, à l'exception de quelques séquences vraiment racoleuses, le gros du film est plutôt pas choquant, quoi. Surtout si on s'amuse à comparer ça à des films d'horreur plus récents, à commencer par le remake du film qui s'appelle juste Silent Night, sorti en 2012, qui va vachement plus loin dans le côté malsain et qui mélange en plus des éléments tirés d'une histoire vraie d'un mec qui a vraiment massacré sa famille déguisée en Père Noël. Et même par rapport à d'autres films qui sortaient à ce moment-là et qui faisaient la part belle aux effets gore, c'est pas si violent que ça. D'ailleurs, le film n'est pas le premier slasher qui se passe à Noël, ça c'est Black Christmas, et c'est même pas non plus le premier film à mettre en scène un Père Noël tueur, parce qu'il y avait déjà ça dans Too Hollow Good Night et dans Christmas Evil. Mais ça, c'est pas important. Ce qu'il faut comprendre, c'est que à partir de là, le slasher n'a cessé de s'attirer les foudres des critiques jusqu'à devenir, dans l'imaginaire collectif, un genre racoleur et malsain où tous les films se ressemblent. Et le genre étant super codifié, avec des règles qui ne changent que très peu entre les films, la question que j'ai envie de poser est la suivante. L'idéologie est-elle inhérente au genre? Ces codes contiennent-ils en leur essence quelque chose qui oriente forcément leur philosophie? Pour répondre à ça, je vais m'éloigner de Silent Night, Deadly Night en allant vers un autre film. Halloween. Donc, Halloween est ce qu'on appelle un trope codifier, c'est-à-dire que même s'il n'a pas inventé les codes du genre, il les a démocratisés et servira de canevas pour tous les autres films qui suivront. Et même si certaines critiques font régulièrement des reproches moraux à Halloween, la plupart sont beaucoup moins agressifs. Siskel et Ebert, par exemple, disent ceci. There is a difference between movies which are violent but entertaining and movies that are gruesome and despicable. And a good example of that is the fact that both of us gave favorable reviews to a very scary 1978 horror film
named Halloween. Pourquoi ? Si on les écoute, la différence majeure repose sur la représentation qui est faite des personnages, et en particulier des personnages féminins, qui seraient moins stupides dans Halloween qu'ailleurs. Le truc, c'est que je ne suis pas complètement d'accord avec ça. Déjà parce que, pour être tout à fait honnête, les personnages d'Halloween sont parfois aussi un peu cons, mais surtout parce que, selon moi, la nuance repose sur autre chose. Et cela a plus de trucs à voir avec le personnage du tueur qu'avec ses victimes. Donc, dans Halloween, le tueur s'appelle Michael Myers, c'est un grand bonhomme avec un masque blanc inexpressif. Une anecdote que tout le monde connaît mais qui est quand même un peu rigolote, c'est que le masque en fait est une version modifiée d'un masque de William Shatner, qui ressemble d'ailleurs pas vraiment à William Shatner. Le personnage ne dit pas un seul mot de tout le film et ne témoigne strictement aucune émotion. En gros, le personnage, c'est ça. Rien de plus qu'une silhouette qui marche. Et c'est d'ailleurs la seule et unique indication que Carpenter a donnée à Nick Castle, l'acteur qui interprète Myers. Ce qui deviendra un trait commun partagé par de nombreux tueurs de slasher, d'ailleurs habilement parodié dans le très sympathique Derrière le masque en 2006. Plus. There's that whole thing, making it look like you're walking, and everybody else is running their asses off. Oh, right. Then I gotta stay with them. Yeah. It's tough, man. Et d'ailleurs, Carpenter définit Michael Myers comme une absence de personnage, et c'est précisément cette idée qui, d'une part, va faire de Michael Myers un personnage incroyablement iconique, mais aussi donner du sens au film tout entier. On va essayer de démontrer ça en s'intéressant à la séquence d'introduction du film, qui est super célèbre. Cette introduction est une scène de meurtre intégralement filmée en vue subjective du tueur. On voit tout à travers les yeux de Michael Myers. Certaines analyses que j'ai pu lire considèrent que le parti pris de cette séquence est complètement pervers parce qu'on nous met dans la peau d'un assassin, et donc que le but est de nous faire prendre du plaisir en nous imaginant à sa place. Et je pense que ceux qui défendent cette thèse se trompent. Je pense en fait qu'ils font un contresens. Parce que au cinéma, il est très compliqué de faire la différence entre ce qui relève du descriptif et ce qui relève du prescriptif. Cette notion, évoquée dans le très bon « Qu'est-ce qu'un bon film ?» de Laurent Jullier, fait toute la différence. Parce que devant cette séquence, vous pouvez comprendre que le film vous enjoint à acquiescer les comportements qu'on vous montre, et que la vue subjective est là pour vous faire vous identifier au tueur, mais vous pouvez tout à fait aussi penser, et c'est mon cas, que cette vue subjective a l'effet inverse, puisqu'elle est la raison pour laquelle vous assistez aux exactions commises par le meurtrier sans jamais voir son visage. Ce qui fait que, bon, déjà, quand vous finissez par le voir, vous vous dites « Oh putain de merde, c'était un gosse !» mais surtout qu'il est plus difficile de ressentir de l'empathie pour le personnage. Et donc le fait qu'on ne voit quasiment pas son visage du film, qu'il se contente de marcher sans jouer la comédie et qu'il porte un masque inexpressif, ça a pour fonction d'offrir une vision abstractisée du mal, qui est un thème très récurrent chez Carpenter. Par exemple, dans Invasion Los Angeles, les méchants sont des extraterrestres à l'apparence humaine. Dans The Thing, c'est un parasite qui passe de corps en corps. Dans Christine, il est dans un objet du quotidien, une voiture. Dans The Fog, il prend la forme d'un brouillard. Et ce que je comprends de ça, c'est que ça donne à ces films une dimension structuraliste. Le mal est incarné par des silhouettes, des concepts, des idées, pas des gens. Pour moi, c'est là qu'est le génie de Carpenter. Et si on applique cette idée à Halloween, ça signifie que le film décrit un contexte, et que donc Michael Myers est en fait l'incarnation de l'oppression sociale qui pèse sur les personnages de son film, des jeunes filles. Pour moi, c'est ça le message du film. C'est un film qui montre, qui décrit, et les codes qu'il a démocratisés sont au service de ce message. Revenons maintenant à Silent Night, Deadly Night. Le film, comme beaucoup de slashers, emprunte énormément Halloween, mais a aussi la particularité de changer pas mal de choses. En l'occurrence, il laisse tomber plusieurs codes classiques du genre. Par exemple, le film n'a pas de final girl, donc pas de personnage féminin qui résiste au tueur. Autre chose, le tueur a un passé, on le voit enfant et on nous explique pourquoi il est devenu qui il est. Et ça, ça retourne tout, et ça annule complètement la dimension structuraliste d'un film comme Halloween. En fait, la raison à ça est que les gens qui ont fait ce film ne sont pas spécialement fans de slasher, et que donc ils ont décidé de garder quelques éléments du genre, mais de le mélanger avec des éléments d'un autre genre qui est le thriller psychologique. I mean, it wasn't really made for Siskel and Ebert. And it wasn't made for the PTA, or Movies Against Mothers Against Movie Madness. It was made for the teenage audience. In reality, it wasn't even made for me. I had never seen any of the slasher movies. I still haven't. Donc les codes qui avaient du sens dans Halloween, répétés sans qu'on ait pris le temps d'en comprendre la signification, leur enlèvent leur sens. C'est ça, suriner un genre. Mais putain, mais pourquoi t'appelles ça suriner? C'est la traduction littérale de slasher. J'aurais pu dire slasheriser. Ah. Et c'est si grave que ça? Mais grave. Regarde, ça, c'est du bleu, ok? Ça, c'est une photocopie d'une photocopie d'une photocopie d'une photocopie d'une photocopie d'une photocopie de bleu. Ouais, mais même dit comme ça, ça a pas l'air si grave, quoi. Pas si grave? Alors laisse-moi te parler de Silent Night, Deadly Night 2. Alors, Silent Night, Deadly Night 2 nous raconte l'histoire du jeune Billy, un enfant hutin, qui, accompagné de sa famille la veille de Noël, rend visite à son grand. Et si, connard, Silent Night, Deadly Night 2 est construit à partir d'images de Silent Night, Deadly Night 1. Putain de merde! Oh, mais t'en fais pas! Ils ont mis des trucs originaux! Tu veux voir à quoi ça ressemble? Regarde! Garbage day! Huh? No! Bordel de nom de dieu de putain de merde, mais c'est dégueulasse! Mais oui, c'est dégueulasse! C'est ça que tu veux? Tu veux un monde où tous les films sont des copies de copies de copies? Tu veux un monde où on repompe des images de vieux films en y ajoutant des mecs qui jouent comme le cul? C'est le monde dans lequel tu veux vivre? Non, putain, non! Alors il faut que tu me suives. Où ça? Sur les traces d'un grand homme. Qui ça? Archimède. Kebab. Hey, there's
Mondadori, en référence à la couleur jaune des couvertures des romans. Alors pourquoi des couvertures jaunes? J'avoue humblement que je n'en ai aucune idée. Peut-être que c'est une référence au Mystère de la Chambre jaune de Gaston Leroux, un grand classique de la littérature policière paru en 1907. Peut-être que l'idée est de jouer sur la dualité symbolique de la couleur jaune, qui peut au choix représenter l'opulence et la richesse, ou la trahison, l'orgueil et la jalousie, ou peut-être tout simplement que c'est une couleur qui rend facilement repérable les romans en question dans les rayons d'une librairie. Bref, j'en sais rien, mais toujours est-il que la question mérite d'être posée, tant le jaune deviendra au fil du temps une couleur étroitement liée à la fiction criminelle. C'était juste une petite parenthèse, je m'égare, revenons au genre cinématographique du giallo, qui donc s'inspire non seulement des romans de Mondadori, mais aussi d'un autre genre de film, le crimi pour criminal film, un genre allemand qui consiste à adapter les romans policiers de l'auteur britannique Edgar Wallace. C'est un genre assez peu connu, mais certains films sont plutôt rigolos à découvrir, comme La grenouille attaque Scotland Yard en 1959. Qui se cache derrière ce masque? La grenouille au masque! Est-ce le remarquable Joachim Fuchsberger? Ou encore L'énigme du serpent noir, qui offre un magnifique plan intrabucal de mangeage de carottes stupéfiant, et qui sort en 1963, soit l'année de l'essence du giallo italien, avec La fille qui en savait trop de Mario Bava. Le genre connaît son âge d'or dans les années 70, sous l'impulsion de cinéastes ultra productifs qui ont accouché d'un très grand nombre de films aujourd'hui célébrés, comme L'oiseau au plumage de cristal, Les frissons de l'angoisse ou le somptueux Suspiria, tous les trois de Dario Argento, La longue nuit de l'exorcisme de Lucio Fulci, ou encore La baie sanglante de Mario Bava, sorti en 1971, peut-être le film qui a le plus inspiré le slasher. Récapitulons. On a un auteur de roman anglais qui inspire un genre de film allemand, qui inspire un genre de film italien, qui inspire un genre de film américain. Tout ça pour dire en fait que même si le slasher paraît être typiquement américain, puisqu'on peut tout à fait le comprendre comme une illustration du phénomène des tueurs en série dans les années 70, il est en réalité construit sur de multiples influences qui viennent d'un peu partout. Bref, revenons à notre petite historique. On arrive donc en 1974 avec la sortie de Black Christmas de Bob Clark, un film d'horreur canadien cette fois, considéré par beaucoup comme le premier slasher, qui met en scène un groupe d'étudiantes sur un campus harcelé par un tueur mystérieux pendant la période de Noël. Un film plutôt intéressant qui pose les bases du genre, mais qui surtout sera une source d'inspiration majeure pour le film qui reste encore à ce jour une des plus grandes réussites de l'histoire du slasher. Halloween de John Carpenter en 1978. Alors, Halloween est le troisième long métrage de John Carpenter après Dark Star en 1974 et surtout l'excellent Assaut en 1976, et met en scène des babysitters dans une banlieue américaine de classe moyenne qui sont attaqués par un tueur masqué. Le film est un immense succès à sa sortie, rapportant 70 millions de dollars au box-office, soit plus de 200 fois son budget initial de 300 000 dollars. Un succès qui déjà lancera la carrière de Carpenter, mais surtout donnera naissance à toute une tripotée de films qui déclineront le concept d'Halloween, surfant sur la vague de son succès, les plus célèbres étant sûrement la série des Vendredi 13 qui commence en 1981, et celle des Griffes de la Nuit en 1984. Ce qui fait quand même déjà 20 films juste entre ces deux sagas. Et des centaines d'autres au total. Du slasher en veux-tu, en voilà, du slasher à midi, du slasher le soir, toutes sortes de jeunes adultes massacrés par toutes sortes de tueurs avec toutes sortes de masques et toutes sortes d'armes blanches. Une cascade d'hémoglobine, une course à l'hécatombe, des charrettes de mort, des morts renouvelant, des morts pour la Saint-Valentin, des morts pour le 1er avril, une surenchère d'effets gore grand guignolesque essayant à chaque fois de repousser les limites de ce qu'on peut montrer à l'écran pour un public qui en demande toujours plus. Et nous arrivons en 1984, avec la sortie du film qui nous intéresse aujourd'hui, à un moment où un nombre encore conséquent de slashers était à l'affiche. Et la même année que Terminator, Amadeus, Il était une fois en Amérique, et Aime-moi de Julien Clerc. Alors, Silent Night, Deadly Night nous raconte l'histoire du jeune Billy, un enfant hutin. Hutin? C'est le gentilet de l'Utah. Gentilet? Gentilet, ça désigne les habitants d'un lieu. Habitant ? Qui, accompagné de sa famille, la veille de Noël, rend visite à son grand-père catatonique dans un hôpital psychiatrique. Un grand-père qui, dès lors qu'il se retrouve seul avec Billy, se met soudainement à sortir de sa léthargie. C'est ça la magie de Noël ! Chut ! Tais-toi ! Pourquoi tu l'appelles ? Elle peut rien pour toi, ni elle, ni personne. C'est la magie de Noël. On dirait que tu as peur, hein, Billy ? As-tu raison d'avoir peur ? Oh, la magie de Noël ! Quoi qu'il en soit, donc, Billy et sa famille prennent la route pour rentrer chez eux fêter Noël comme il se doit. Au même moment, un homme déguisé en Père Noël entre dans une épicerie. Alors qu'est-ce qu'il y a? T'as quelque chose contre le Père Noël? Ouf, ça fait marcher le commerce. Mais ça m'est que... Tout ça, c'est de la frime, vous voyez ce que je veux dire? Non? Et là, attention, surprise, le gentil Père Noël à la Tim Allen se transforme en méchant Père Noël à la Gérard Jugnot, sort un flingue, braque l'épicier, tue l'épicier, pose, osez dire du mal de Marion Cotillard maintenant, et se casse avec les 32 dollars de la caisse. 32 dollars? Ça paye plus de faire le Père Noël. Fight for your life. Évidemment, vous vous en doutez, les deux histoires vont se croiser lorsque la famille de Billy s'arrête pour filer un coup de main à cette ordure de Père Noël tombée en panne sur le bord de la route et que ce dernier assassine le père de Billy et égorge...
Bon, bon, c'est un peu plus compliqué que ça normalement, mais je pense que ça, c'est une base du plan des deux moches. Mais reste encore à savoir pourquoi ils font tout ça. Merci, Gilles. Donc, pour ce qui est du cardboard, là, tout le monde a compris, c'est bon? Ok, alors, on va procéder ensemble à une petite expérience maintenant. Est-ce que tu peux me passer un briquet, s'il te plaît? Brûlure de pisse. Est-ce qu'on pourrait juste se concentrer un petit peu? Alors, c'est quoi leur plan exactement? Ouais, non, pardon. Non, alors, ma théorie, c'est qu'ils essayent de suriner le cinéma. Suriner. Suriner comme... faire ce pipi? Est-ce que tu pourrais être un peu plus explicite? Alors, je peux être plus explicite, mais ça signifie qu'il faut que tu me laisses parler d'un film. Non, c'est pas toi qui parles de film. Ici, c'est moi qui parle de film. Toi, tu m'écoutes parler de film. Putain, tu penses que c'est vraiment le moment de faire entrer ton ego dans l'équation, là, tout de suite. C'est pas une question d'ego, c'est une question d'ordre social, c'est une question de hiérarchie, attends, quoi. Attends. C'est pas lui qui présente l'émission d'habitude? Ben non. Et bien sûr que non. Mais toi, t'es Kamel? Non, moi, c'est Karim. Non, c'est moi, Kamel. D'accord. Mais c'est quoi le truc, du coup, pour vous reconnaître? Ben, les pulls. Oh. Donc, Douce Nuit, Sanglante Nuit ou Silent Night, Deadly Night en anglais est un slasher sorti le 9 novembre 1984 aux États-Unis et réalisé par Charles E. Sellier, scénariste et producteur américain ultra prolifique à la télévision et au cinéma, dont c'est le premier long métrage de fiction en tant que réalisateur. Commençons donc par le commencement, c'est quoi le slasher? Le slasher est un genre cinématographique américain, sous-genre du film d'horreur immensément populaire aux États-Unis dans les années 80, qui met en scène un groupe de personnages, souvent de jeunes adultes, pourchassés par un tueur en série, souvent masqué, qui va les éliminer les uns après les autres, souvent à l'arme blanche. C'est d'une simplicité limpide et je suis certain que vous êtes tous un jour retrouvés devant un de ces films, tant la formule a été recyclée à toutes les sauces au fil des années, au point d'imprégner de ses codes non seulement le cinéma d'horreur, mais plus globalement l'imaginaire collectif occidental, les tueurs des slashers devenant, dans les années 80, des icônes de pop culture équivalentes aux monstres du cinéma d'horreur gothique classique comme Dracula, le monstre de Frankenstein, la momie, l'homme invisible et tant d'autres. Donc le slasher est un genre qui est intimement lié aux années 80, qui correspond à son premier âge d'or. Mais pour procéder à un historique du genre, il est indispensable qu'on s'intéresse à ses origines et donc aux œuvres qui l'ont inspiré. Alors on pourrait remonter assez loin en évoquant par exemple le roman Dipty Nègre en 1939, qui mettait déjà en scène un groupe de personnes qui se font assassiner les uns après les autres par un tueur mystérieux qui réalise des mises en scène macabres de ces meurtres. J'en profite accessoirement pour vous recommander la très récente et très réussie mini-série adaptée du roman par la BBC pour le 125e anniversaire d'Agatha Christie. Non seulement l'adaptation est excellente, mais en plus c'est l'occasion de revoir Sam Neill dans un super rôle. Il était vraiment super dans L'Homme Bicentenaire. Je passe donc rapidement là-dessus pour arriver à la décennie qui, selon moi, a ouvert le chemin de façon limpide aux slashers, les années 60. A commencer par l'année 1960, qui voit arriver deux films absolument fondamentaux. Le premier est le célébrissime Psychose d'Alfred Hitchcock et le second est Le Voyeur ou Peeping Tom de Michael Powell. Deux monuments que je recommande massivement à tous ceux qui ne les auraient pas vus et qui ont eu un impact immense sur le monde du cinéma, inspirant des générations de cinéastes et fournissant un nombre conséquent de codes narratifs et d'éléments esthétiques aux slashers. Mais c'est pas tout, car en plus de ces deux films, les années 60 sont aussi la décennie de naissance d'un genre cinématographique qui sera décisif dans notre histoire, le giallo. J'arrête ça immédiatement, c'est très embarrassant. Alors le giallo est un genre cinématographique italien à cheval entre le thriller, l'horreur et l'érotisme. Le mot giallo, qui signifie jaune en italien, vient au départ d'une collection de romans populaires publiée par les éditions Mondadori, fondée par Arnoldo Mondadori. La collection s'appelle Il Giallo. The movement in America in the last decade. I think that these films are some sort of primordial response by some very sick people. Of men saying, get back in your place, women. Sauf que, et c'est là que tout devient complètement paradoxal, ce processus-là nécessite de montrer ces choses. C'est-à-dire que le public qui pourrait potentiellement être d'accord avec ce message-là, de toute façon n'ira pas voir le film, puisqu'il y a du cul et de la violence dedans. D'ailleurs, les associations conservatrices qui ont réagi n'ont pas réagi au film, elles ont réagi aux publicités pour le film qui passait à la télé en plein après-midi. Et pour l'anecdote, le réalisateur Charles Sellier, qui était catholique pratiquant, l'a complètement désavoué, et a même donné des conférences sur la responsabilité des cinéastes à montrer ce genre de vilaines choses. Mais le truc super drôle là-dedans, c'est que pour un spectateur d'aujourd'hui, ce qui frappe devant Silent Night, Deadly Night, c'est que, à l'exception de quelques séquences vraiment racoleuses, le gros du film est plutôt pas choquant, quoi.
Surtout si on s'amuse à comparer ça à des films d'horreur plus récents, à commencer par le remake du film qui s'appelle juste Silent Night, sorti en 2012, qui va vachement plus loin dans le côté malsain, et qui mélange en plus des éléments tirés d'une histoire vraie, d'un mec qui a vraiment massacré sa famille déguisée en Père Noël. Et même par rapport à d'autres films qui sortaient à ce moment-là, et qui faisaient la part belle aux effets gore, c'est pas si violent que ça. D'ailleurs, le film n'est pas le premier slasher qui se passe à Noël, ça c'est Black Christmas, et c'est même pas non plus le premier film à mettre en scène un Père Noël tueur, parce qu'il y avait déjà ça dans Too Hollow Good Night et dans Christmas Evil. Mais ça, c'est pas important. Ce qu'il faut comprendre, c'est que à partir de là, le slasher n'a cessé de s'attirer les foudres des critiques jusqu'à devenir, dans l'imaginaire collectif, un genre racoleur et malsain où tous les films se ressemblent. Et le genre étant super codifié, avec des règles qui ne changent que très peu entre les films, la question que j'ai envie de poser est la suivante. L'idéologie est-elle inhérente au genre? Ces codes contiennent-ils en leur essence quelque chose qui oriente forcément leur philosophie? Pour répondre à ça, je vais m'éloigner de Silent Night, Deadly Night en allant vers un autre film. Halloween. Donc, Halloween est ce qu'on appelle un trope codifier, c'est-à-dire que même s'il n'a pas inventé les codes du genre, il les a démocratisés et servira de canevas pour tous les autres films qui suivront. Et même si certaines critiques font régulièrement des reproches moraux à Halloween, la plupart sont beaucoup moins agressifs. Siskel et Ebert, par exemple, disent ceci. There is a difference between movies which are violent but entertaining and movies that are gruesome and despicable. And a good example of that is the fact that both of us gave favorable reviews to a very scary 1978 horror film named Halloween. Pourquoi? Si on les écoute, la différence majeure repose sur la représentation qui est faite des personnages, et en particulier des personnages féminins, qui seraient moins stupides dans Halloween qu'ailleurs. Le truc, c'est que je ne suis pas complètement d'accord avec ça. Déjà parce que, pour être tout à fait honnête, les personnages d'Halloween sont parfois aussi un peu cons, mais surtout parce que, selon moi, la nuance repose sur autre chose. Et cela a plus de trucs à voir avec le personnage du tueur avec ses victimes. Donc, dans Halloween, le tueur s'appelle Michael Myers, c'est un grand bonhomme avec un masque blanc inexpressif. Une anecdote que tout le monde connaît mais qui est quand même un peu rigolote, c'est que le masque en fait est une version modifiée d'un masque de William Shatner, qui ressemble d'ailleurs pas vraiment à William Shatner. Le personnage ne dit pas un seul mot de tout le film et ne témoigne strictement aucune émotion. En gros, le personnage, c'est ça. Rien de plus qu'une silhouette qui marche. Et c'est d'ailleurs la seule et unique indication que Carpenter a donnée à Nick Castle, l'acteur qui interprète Myers. Ce qui deviendra un trait commun partagé par de nombreux tueurs de slasher, d'ailleurs habilement parodié dans le très sympathique Derrière le masque en 2006. Plus. There's that whole thing, making it look like you're walking, and everybody else is running their asses off. Oh, right. But I gotta stay with them. Yeah. It's tough, man. Et d'ailleurs, Carpenter définit Michael Myers comme une absence de personnage, et c'est précisément cette idée qui, d'une part, va faire de Michael Myers un personnage incroyablement iconique, mais aussi donner du sens au film tout entier. On va essayer de démontrer ça en s'intéressant à la séquence d'introduction du film, qui est super célèbre. Cette introduction est une scène de meurtre intégralement filmée en vue subjective du tueur. On voit tout à travers les yeux de Michael Myers. Certaines analyses que j'ai pu lire considèrent que le parti pris de cette séquence est complètement pervers parce qu'on nous met dans la peau d'un assassin, et donc que le but est de nous faire prendre du plaisir en nous imaginant à sa place. Et je pense que ceux qui défendent cette thèse se trompent. Je pense en fait qu'ils font un contresens. Parce que au cinéma, il est très compliqué de faire la différence entre ce qui relève du descriptif et ce qui relève du prescriptif. Cette notion, évoquée dans le très bon « Qu'est-ce qu'un bon film ?» de Laurent Julier, fait toute la différence. Parce que devant cette séquence, vous pouvez comprendre que le film vous enjoint à acquiescer les comportements qu'on vous montre, et que la vue subjective est là pour vous faire vous identifier au tueur, mais vous pouvez tout à fait aussi penser, et c'est mon cas, que cette vue subjective a l'effet inverse, puisqu'elle est la raison pour laquelle vous assistez aux exactions commises par le meurtrier sans jamais voir son visage. Ce qui fait que, bon, déjà, quand vous finissez par le voir, vous vous dites « Oh putain de merde, c'était un gosse !» mais surtout qu'il est plus difficile de ressentir de l'empathie pour le personnage. Et donc le fait qu'on ne voit quasiment pas son visage du film, qu'il se contente de marcher sans jouer la comédie et qu'il porte un masque inexpressif, ça a pour fonction d'offrir une vision abstractisée du mal, qui est un thème très récurrent chez Carpenter. Par exemple, dans Invasion Los Angeles, les méchants sont des extraterrestres à la part. À cela j'ajoute Jason le mort-vivant qui est le sixième opus de la saga Vendredi 13, et Les Griffes du cauchemar, le troisième de la série des Freddy. Ça c'est juste pour les plus connus, mais il y en a plein d'autres, comme The Burning par exemple, un Vendredi 13-like assez honnête, ou encore Les Tueurs de l'éclipse qui a la particularité de mettre en scène trois enfants tueurs, ou même l'improbable Silent Rage en 1982 qui mélange le slasher avec Chuck Norris, sûrement basé sur l'étrange croyance des années 80 que mélanger deux trucs populaires fait forcément un succès. Chose que j'ai complètement arrêté de croire après les échecs successifs de mes trois films Ninja Cheeseburger, Jazzy Matrix et Star Wars Stardew. Bref, la liste pourrait être 100 fois plus longue, mais c'est pas vraiment mon propos. Là où je veux en venir, c'est que quand on apprécie sincèrement un genre aussi codifié que le slasher, on admet un certain nombre d'écueils inévitables dans lesquels la plupart des films tombent, souvent du fait d'un budget limité et d'un temps de production réduit. Par exemple, les acteurs sont souvent à la ramasse, et ici c'est le cas pour un certain nombre d'entre eux. Et on peut dire la même chose de l'intrigue ultra simplifiée, de certains personnages un peu cons et de plusieurs autres points fâcheux. J'essaye pas de faire comme si ça n'existait pas, mais je dis simplement que c'est pas ce que je recherche devant ce genre de film. En fait, le plaisir que je prends à regarder des slashers repose en très grande partie sur les séquences de meurtre et surtout sur tout ce qu'il y a avant, c'est-à-dire tout le processus qui mène au meurtre. Comment le tueur va-t-il réussir à piéger sa victime? Comment la victime peut s'en sortir? Quelle arme va être utilisée? Et surtout, comment le réalisateur va-t-il montrer tout ça, jouer avec l'attention, manipuler le spectateur, etc. Ce que j'aime dans le slasher est finalement très proche de ce que j'aime dans Tom et Jerry, sauf que c'est beaucoup plus violent dans Tom et Jerry. Alors dans le cas de Silent Night, Deadly Night,
est-ce que ce contrat est rempli? Eh bah, moyennement. C'est pas nul, il y a quelques idées, mais c'est assez convenu. En fait, je crois que le plus gros défaut du film, selon moi, repose sur son rythme. Dans le sens où toutes les scènes de dialogue sont d'une lenteur hallucinante. Je vous jure, il y a tellement de silence entre les phrases, même en comparaison avec des films sortis à la même époque, c'est intenable. Ouais, bien sûr, avec joie, mec. Eh bien sûr, avec joie, mec. Donc ça, c'est un gros défaut. Maintenant, la question, c'est... est-ce que ça a été rédhibitoire pour les spectateurs? Et pour le savoir, on va simplement regarder les chiffres. Donc, le film sort au cinéma le 9 novembre 1984, soit le même jour qu'un autre slasher, Les Griffes de la Nuit de Wes Craven, sûrement un des films les plus célèbres et célébrés du genre, et un immense succès commercial. Eh bien, je pense que je vais vous apprendre quelque chose. Silent Night, Deadly Night a rapporté plus d'argent lors de son premier week-end d'exploitation que Les Griffes de la Nuit. Et ouais, un succès assez étonnant pour un si petit film qui n'a coûté que 750 000 dollars, qui rentrera donc rapidement dans ses frais et qui aurait même pu devenir un énorme succès. Sauf que l'histoire en a décidé autrement. Et que très peu de temps après la sortie du film, ce dernier a été déprogrammé. Alors on n'est pas vraiment certain de savoir pourquoi, mais la raison avancée par l'équipe du film dans les commentaires audio est qu'au moment de la sortie du film, la société de production Tristar était en partie possédée par Coca-Cola et que ces derniers utilisaient l'image du Père Noël comme mascotte. Donc forcément, ça la foutait mal de le voir décapiter des enfants à la hache. Donc maintenant, on va mettre en parallèle le succès du film en salle et son accueil critique. Et, une fois n'est pas coutume, je vais laisser la parole à d'autres critiques de cinéma, Gene Siskel et Roger Ebert, qui, à sa sortie, animaient At the Movies, une émission de critique de films à la télé américaine. Voyons ce qu'ils en disent. And Silent Night, Deadly Night now has the distinction of joining I Spit on Your Grave as one of the two most contemptible films I've seen. And I don't mean to think it's campy, it really is quite awful. And Ira Richard Barmack produced it. You people have nothing to be proud of, even if you made a few bucks off of all the negative publicity. Your profits truly are blood money. Voilà, voilà. Mais du coup, ils ont aimé ou pas? Donc clairement, le film a choqué une partie de la critique et des spectateurs, puisque ce que disent Siskel et Ebert dans leur critique est la suite logique d'un tollé déclenché par de nombreux parents inquiets de voir leurs enfants exposés à des images sexuelles et violentes, avec pour circonstance aggravante de mettre en scène un Père Noël tueur, ce qui, évidemment, passe mal dans une société où le conservatisme faisait son retour en force. Nombreux sont ceux qui ont manifesté leur désapprobation du film à l'image de l'acteur Mickey Rooney qui dira « Comment ose-t-il? Je suis pour le premier amendement, mais ne me donnez pas le Père Noël avec un flingue qui tue des gens, les ordures qui ont fait ça devraient être jetées hors de la ville. » Une déclaration engagée et courageuse qui devient grotesque et ironique en 1991 quand le même Mickey Rooney jouera un Père Noël assassin dans Silent Night, Deadly Night 5. Mais bon, je suppose que ça compte pas parce que en fait c'était un robot. Donc, le film se traîne cette réputation d'œuvre amorale qui se fait défoncer par les critiques qui voient un film sexiste et racoleur. Et on arrive donc ici à un point extrêmement intéressant que j'ai envie d'appeler le paradoxe chelou du slasher. Le reproche que Siskel et Ebert font au film, et au genre plus globalement, repose sur un de ces codes, qu'on appelle le death by sex. Ça signifie que, dans les slashers, les scènes qui montrent des personnages avoir des relations sexuelles sont suivies des meurtres des personnages en question. Ça a souvent été interprété comme un cliché réactionnaire de la part des critiques qui voient une façon d'exprimer une haine envers les jeunes et la liberté des mœurs. Les meurtres sont à voir comme des châtiments, et c'est donc, selon eux, l'expression de la révolution conservatrice contre la révolution sexuelle. I'm convinced it has something to do with the growth of the woman. Sa mère sous les yeux de l'enfant et de son petit frère Ricky. La magie de Noël? 3 ans plus tard, Billy, qui a beaucoup changé, putain quand même, vit donc dans un orphelinat religieux et semble toujours souffrir des séquelles de la triste nuit qui nous a été contée. Et évidemment, son traumatisme est d'autant plus visible en période de Noël. Rien de plus normal. Qui pourrait lui en vouloir? Elle. Je regrette ce que j'ai fait, mère supérieure. Je n'en crois pas un mot. Et elle lui en veut vachement, elle est vraiment super énervée contre le gosse quoi. Il sort de sa chambre, il se fait fouetter, il fait un cauchemar, on l'attache au lit, et comble de l'apogée du pinacle du sommet de la cruauté, on le force à s'asseoir sur les genoux du Père Noël. Ce qui signifie que personne ne lui a dit que le Père Noël n'existait pas. C'est incroyable quoi, on a l'impression que le moindre prétexte est bon pour lui en foutre plein la gueule. Va dans ta chambre! Mais j'y suis déjà! Flash forward, 10 ans plus tard, en 1984, Sœur Margaret, une gentille nonne, essaie de trouver un travail à Billy dans un magasin de jouets. Et Monsieur Sims, le patron du magasin, d'abord surpris par le fait que l'orphelinat dispose visiblement d'une salle de muscu et d'un cabinet de chirurgie esthétique, accepte finalement de prendre Billy comme vendeur. Et comme on est dans les années 80, évidemment, on a droit à un montage avec une musique incroyablement catchy. I'm looking for the warm side of the door. Billy trouve vite sa place dans le magasin, Monsieur Sims lui fait des sourires sympas, il a le béguin pour Pamela qui bosse avec lui, il boit du lait avec des sosies alcooliques de Joe Pesci, il fait des Monsieur Patates habillés en Jedi, définitivement on peut conclure qu'un magasin de jouets était le meilleur endroit où mettre Billy. Sauf... pendant la période de Noël. Là, ça devient le pire des endroits possibles pour Billy, comme en témoigne cet improbable chant contre chant. «
Donc, le pire des endroits, au pire des moments, comment on peut rendre ça pire? Eh ben en lui demandant de mettre un costume de Père Noël, pardi. C'est un sale truc à lui demander, parce que soit il accepte et ça risque d'aggraver ses problèmes psychiques, soit il refuse et le film s'arrête. Heureusement, les scénaristes choisissent pour lui et lui font enfiler le célèbre costume. Alors, au départ, ça se passe bien, il arrive à passer la journée de Noël sans trop de soucis, et le soir même, tous les employés du magasin décident de fêter le Christmas. C'est fini! On va se faire un réveillon d'enfer! Ouais! On n'a pas de famille! Évidemment, Billy décide de garder son costume parce que l'on t'emmerde, et pendant la soirée, Joe Pecho se bourre la gueule et agresse sexuellement Pamela, ce qui déclenche chez Billy une colossale fureur qui lui fait perdre le sens des réalités et punir tous ceux qui, selon lui, ont été méchants. Est-ce que tu as été gentil? Ce qui comprend à peu près toutes les personnes qu'il va rencontrer à partir de là dans le film, dans la plus pure tradition des slashers de cette époque, après plus de 40 minutes de film. Donc pour le reste du film, on va suivre Billy commettre des meurtres à la chaîne, ce qui va nous permettre de procéder à quelque chose qu'on fait souvent devant ce genre de film, un body count, soit un bilan des personnages tués par Billy. Alors, il commence par étrangler Joe Pecho avec une guirlande de Noël. Ne pas tâcher son joli costume. Poignard de Pamela avec un cutter. Plante un marteau dans le crâne de Monsieur Sims. Tire une flèche dans le dos d'une collègue. Donc ça fait magasin de jouets et armurerie. Empale une nana sur un trophée de chasse. Un clin d'œil au célèbre cerf du Père Noël. Défenestre son petit ami après un combat d'anthologie, qui aurait d'ailleurs pris une toute autre tournure si le petit ami en question avait profité de l'avantage qu'il avait pour l'achever plutôt que de passer un coup de fil face au mur en regardant le sol. Décapite un adolescent qui fait de la luge sur une piste pour les nourrissons. Touchous ! Éclate le thorax d'un flic à la hache. Et finalement dirige ce qui lui reste de colère sur un pauvre bonhomme de neige qui n'avait rien demandé. En parallèle à ça, les flics se mettent à la recherche du Père Noël tueur. Ce qui n'est pas une chose aisée, parce que des gens déguisés en Père Noël à Noël, il y en a plein. À l'image du père O'Brien, par exemple, qui vient faire une surprise aux enfants de l'orphelinat et qui se fait descendre par un flic. Ah merde, pas de chance. Ouais, en même temps, il aurait pu s'arrêter quand le flic lui a demandé, quoi. Il était sourd! Oui, effectivement, pas de chance. Ce qui fait donc, si on ajoute les 3 du début, 12 morts, dont 8 tués par le tueur. Soit pile poil dans la moyenne de ce qui se faisait à l'époque. Et pendant que les cadavres s'empilent, on suit la gentille bonne sœur qui part à la recherche de Billy, accompagnée de la meilleure imitation de Columbo depuis Martin Lamotte, et réussissent in extremis à l'arrêter avant qu'il n'assassine la mère supérieure qui a causé tous ses tourments. Bref, Billy meurt devant son petit frère qui, on suppose, deviendra à son tour un tueur en série traumatisé par cette effroyable expérience. Freeze frame renfrogné, et c'est la fin de Silent Night. Deadly Night. Alors, c'était super, hein, mais en quoi est-ce que ça a un rapport avec notre histoire? Je vais y venir. Avant ça, comme il est de bon ton de le faire, je vais procéder à une petite énumération de ce qui me plaît ou me déplaît dans le film. Donc, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que je suis extrêmement fan de slasher. Pour l'anecdote, c'est un des genres avec lequel j'ai appris à aimer le cinéma quand j'étais très jeune. Je vais d'ailleurs profiter de cette occasion pour vous en recommander quelques-uns. Évidemment, les premiers Halloween, Vendredi 13 et Les Griffes de la Nuit sont des classiques,